Les champignons, alors moi c'est quelque chose qui me fascine parce que c'est un règne à part entière, on va dire. C'est ni végétal ni animal. Donc tout le monde l'assimile à des végétaux, mais on dit bien élever des champignons par exemple. C'est une très bonne alternative à la viande parce que c'est très riche en protéines, c'est très riche en oligo-éléments. Ça devrait prendre une place plus importante dans notre alimentation presque au jour le jour. Alors moi j'ai opté pour un modèle où je suis le plus autonome possible. J'achète du mycélium, ensuite je le multiplie, je produis moi-même mon substrat, à la différence de nombreux producteurs qui achètent des blocs qui sont déjà prêts à produire. Donc moi je produis mon substrat à partir de matières premières locales, donc soit de la sueur de bois, soit de la paille issue des agriculteurs du village. J'ensemence le substrat et je le mets en période d'incubation à une température assez chaude. Pour ensuite, au bout de un mois environ pour le pleurote et trois mois pour le shiitake, leur faire subir une baisse de température et une augmentation de l'humidité en passant dans une autre pièce. Donc là, ça produit, en fait, ça fonctionne par volée. Au bout d'un mois, on a une volée de pleurote, après il y a un temps de repos d'une semaine, 10 jours, ensuite il y a une autre volée de pleurote sur le même sac, sur le même seau. Et ça produit comme ça par volée 3-4 fois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de rendement, et donc là on se débarrasse. Moi pour le coup je composte le substrat déjà en partie décomposé par le mycélium. Alors c'est innovant dans le sens où ça existe assez peu à échelle artisanale et en vente en circuit court et labellisé en bio. C'est assez innovant le fait de le faire en cave. Ça s'est beaucoup perdu, on trouve assez peu ça dans des petites caves à petite échelle comme ça, surtout dans la région. J'ai fait appel à Initiative Val de Drôme qui m'a bien accompagné dans le montage du projet, on va dire surtout sur la partie économique, et qui m'a accordé un prêt d'honneur, qui m'a permis aussi d'avoir un autre prêt d'honneur de l'État qui s'appelle NACRE. Il y a la Chambre d'agriculture qui m'a accompagné aussi. Et enfin un autre prêt d'honneur qui est Initiative Remarquable, donc j'ai été sélectionné parmi un petit nombre de projets au niveau national. Il ne faut pas hésiter à chercher de l'aide. Alors c'est loin d'être facile, si on achète du substrat déjà tout prêt, ça coûte très cher à la base. Si on cherche à être autonome, il faut savoir que ça représente énormément de main d'œuvre. Il faut être assez organisé, ne pas se décourager trop vite. Il y a des formations qui se créent dans des CFPPA. Il y a aussi finalement maintenant pas mal de monde qui a envie de s'installer aussi en champignons dans la vallée. Donc ça permet aussi de créer un réseau, éventuellement de monter une filière de commercialisation ou d'approvisionnement en matières premières. Donc effectivement, il y a une demande assez importante. C'est principalement les restaurateurs, les magasins de producteurs et les particuliers à travers différentes structures.